Je m'appelle Alain Dufaux, je suis auteur-réalisateur de films documentaires. J'ai longtemps travaillé dans la région marseillaise, à la fois pour réaliser des films et en même temps pour développer le secteur audiovisuel et cinématographique. C'est vrai que quand on est en région, il y a une nécessité hein, à ne pas être seul dans son coin, mais à se regrouper pour véritablement créer les bonnes conditions du déploiement de ce secteur. Quoi. Donc ça fait 18 ans hein, que je connais la Réunion, ça fait 7 ans que j'y suis installé. Et je suis tombé amoureux des paysages, des gens qui y vivent. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai voulu faire au-delà de Cap Noir, c'est-à-dire marcher avec les gens du lieu, hein, de Dodane, pour qu'ils me fassent découvrir eux, arpenter avec eux véritablement leur terre, pour découvrir avec eux de quoi sont faits ces paysages, c'est-à-dire humainement, historiquement, voilà, dans toute leur complexité. Les gens n'osaient pas passer cette partie de montagne, comment ça s'est levé là. Les gens avaient peur de passer par ici, parce que c'était du port que tu regardes vers Mafate, c'est noir, tu vois. Ça fait comme un trou noir, ça fait comme Cap Noir, et je ne sais pas si c'est ça qui a donné ce nom-là, mais... Dessous, c'est ben, Dodane. Hein. Petit village de Dodane. Toute mon enfance, c'était dans ce coin-là même. Hein. Mafate, Dodane, Rivière des Galets. Mafate, Dodane, Rivière des Galets. Port Mafate, Rivière des Galets, ainsi de suite, tout ça. Hein. Ah oui. Alors en fait, quand je découvre la Réunion, j'ai deux personnes qui sont des guides amicaux. Madé Payette, qui est une développeuse de projets. Et un scientifique, Jean-Michel Probst, un scientifique autodidacte, passionnant également. Et tous deux vont me faire découvrir Dodane et vont me faire découvrir cette marche, quoi, cette entrée du cirque. Voilà. Dodane, c'est un petit cirque suspendu sur un grand cirque, quoi. Et donc, c'est un lieu, un observatoire naturel, quoi. Hein, d'où l'on voit à la fois la mer et d'où l'on voit à la fois, bien sûr, les îlettes de l'intérieur. Donc, Madé et Jean-Michel me font découvrir l'association qu'ils ont lancée, Nature et Patrimoine, et qui avait pour mission de préserver la biodiversité et de lutter contre les plantes invasives, hein, qui prennent tous les remparts et qui se développent de partout, quoi. Et je me pose la question du pourquoi former que nous sommes tous assez à la nature, assez pratiques de nature. Hein. Nous avons tous, depuis notre enfance, été formés d'une manière ou d'une autre à pratiquer la nature hein, de telle et telle façon. Pourquoi il nous est si difficile de changer de pratique, quoi. Pourquoi, devant l'évidence de la perte de biodiversité et des atteintes à la nature, quoi, qui vont s'amplifiant, pourquoi il est si difficile de changer nos pratiques ? Bien évidemment, il y a le rouleau compresseur hein, de l'urbanisation hein, qui prend le territoire, qui limite l'économie agricole. Mais même à côté de cette machine sociale, quoi, qui va s'amplifiant, quoi, nous, les uns et les autres, avons de la difficulté véritablement à changer nos pratiques. Ce
film, il fait le constat que la biodiversité est en train de se dégrader, que les plantes invasives sont en train de gagner du terrain, et que malgré tous leurs efforts et tous les efforts des membres de l'association Nature et Patrimoine, qui sont obligés de tailler au sécateur, n'est-ce pas, les plantes invasives, parce que s'ils y vont avec le coupe-coupe, ils risquent de couper des plantes endémiques d'une grande richesse. Et donc la bataille est inégale, quoi. Elle est quasi perdue d'avance. Quand je les filme, il y a un sens du pathétique, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et en même temps, c'est beau. C'est-à-dire que même si la bataille est perdue, ils luttent, ils se battent, quoi. Et ça, c'est un peu... Je trouve ça superbe, quoi. Mais ce que je trouve formidable, c'est ça. C'est que malgré des constats alarmants ou malgré des situations difficiles, je pense qu'il faut se battre, quoi. Il faut faire ce qu'on peut pour tenir la biodiversité. Parce que c'est allégorique aussi de tenir nos valeurs, quoi. Je veux dire, vivre dans un monde qu'on pourra céder, dont nos enfants pourront hériter dans toute sa beauté et sa complexité, quoi. Ne pas céder, quoi, sur cette bataille qui me semble être une bataille morale tout autant qu'une bataille écologique, quoi. Hein. Voilà. Et donc merci, quoi, à tous ceux que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai travaillé et qui m'ont fait découvrir l'intérieur de la Réunion d'une si belle manière, quoi.